Salut et bienvenue sur Téléafrique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et déjà les images en disent plus. Donc nous allons parler d'immobilier aujourd'hui. Une très bonne affaire, des villas basses à un coût vraiment acceptable. C'est au niveau d'Abidjan. Je suis Dadou Henri Joël Zama et là aujourd'hui nous allons visiter la cité Lilium, qui est situé dans la zone de Ebempé, à 3 km du stade olympique. Téléafrique est une chaîne de découverte, de divertissement, d'éducation. Et maintenant, vous avez Téléafrique English pour nos frères anglophones. Donc, n'hésitez pas de vous abonner aussi à cette chaîne-là pour qu'on puisse rapidement agrandir notre audience au niveau de la communauté anglophone. Aujourd'hui, nous allons visiter cette cité-là, la cité Lilium, hein, au niveau de Ebempé. Donc, c'est une très bonne affaire. Plusieurs personnes, les demandes sont énormes au niveau des villas basses. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui me contactent à chaque fois qui veulent des maisons. Et quand je demande les budgets, mais les budgets que vous me donnez, aujourd'hui, nous sommes tombés sur une très bonne affaire et je pense que la majorité des personnes qui me contactent, mais là c'est l'occasion pour vous. Donc c'est une occasion à ne pas rater. La zone est déjà viabilisée, il y a déjà l'eau et l'électricité et comme vous le voyez, les travaux sont en train d'être accélérés pour l'assainissement. Déjà, il y a déjà l'assainissement même. Donc je pense qu'au moment où je tourne cette vidéo, la première tranche sera livrée dans maximum, selon la commerciale, maximum 1 mois, c'est ce qu'elle m'a dit. Et voilà, donc tout est prêt. Ce sont des villas, quand je vous dis le prix, vous n'allez pas croire, ce sont des villas à 18 millions de francs CFA. Vous avez très bien compris, c'est 18 millions de francs CFA, des villas qui sont bâties sur des terrains de 120 mètres carrés. Donc on fait la visite rapidement et je vous donne les détails. Prenez le temps de bien regarder les vidéos parce que nous allons visiter trois types de villas dans cette zone-là. Comme ça vous laisse le temps de choisir votre fourchette, en fait, votre niche. Donc nous sommes ici dans une villa. Ça, c'est une villa 3 pièces. Ça veut dire que 2 chambres et salon, douche, WC, cuisine. Il y a WC pour les visiteurs, douche pour les visiteurs, c'est-à-dire pour la deuxième chambre enfant, mais en même temps pour les visiteurs. Et il y a une douche WC dans la chambre principale. Donc, nous étions dans le salon et là, vous voyez la cuisine. Donc, vous avez une porte qui rentre dans la cour arrière, en fait. Donc, du salon, vous rentrez dans la cuisine et là, vous avez une porte qui fait face à la cour arrière. Donc, normalement, vous avez un espace qui est derrière ici, que vous allez diviser. C'est vous qui allez faire la clôture. Je vais vous donner tous ces détails. On visite d'abord et puis je vous donne tous ces détails-là. D'accord? Donc ça, c'est une maison qui est comme ça, qui est neutre. On visite, c'est bâti sur 120 mètres carrés. Dans la vidéo, un peu plus loin, on va visiter des maisons témoins avec les installations. Comme ça, vous allez savoir une finition vraiment parfaite. Donc ça, c'est les toilettes que vous voyez là pour les visiteurs. Donc on a douche. Non, ça c'est le WC. Et juste à côté, vous avez la douche. Vous avez la douche. Donc en même temps pour les visiteurs, mais pour la deuxième chambre. Donc disons la chambre des enfants. Et juste après les sanitaires là, nous rentrons directement dans une première chambre, c'est-à-dire la chambre enfant ou bien visiteur si vous n'avez pas d'enfants, que vous avez des visiteurs. Donc ça, c'est la première chambre que vous voyez là. Nous sommes dans la première chambre. Donc c'est comme ça que la maison est livrée, hein. C'est-à-dire bien fini, les peintures, tout est fait. On vous livre la maison clé en main. 18 millions de francs CFA pour les maisons sur les superficies de 120 mètres carrés. 2 chambres et salon, ce sont des villas. Donc le terrain vous appartient et en même temps la maison. On vous donne le titre foncier morcelé. Donc dans la chambre, vous avez vu, il y a même l'espace pour le placard. Et là, nous sommes dans la deuxième chambre, c'est la chambre principale. Et voilà, donc vous avez les toilettes privées dans cette chambre principale, douche et WC.
Donc, c'est à vous. Les maisons sont modifiables, pas en hauteur, mais au niveau au niveau de l'intérieur. Donc, voilà. Je pense qu'en hauteur, je ne sais pas si ça peut être possible, mais c'est à voir avec l'administration. Et puis, peut-être, vous allez prévoir les frais de modification au niveau de l'architecture. Donc, là, vous avez voilà, une vue sur votre cour arrière. Comme je vous l'ai dit, ce sont des maisons qui sont bâties sur des superficies de 120 mètres carrés. À partir de 120 mètres carrés, mais ça dépend, ça peut aller jusqu'à... ça varie en fait. Donc c'est entre 120 mètres carrés et 240 mètres carrés. Donc pour les maisons qui sont sur 120 mètres carrés, c'est 18 millions. Je vais vous donner les détails des paiements aussi. Donc c'est pas un problème. Et les frais de dossier, c'est 360 000 francs CFA. Il faut prévoir les frais de dossier qui sont 360 000 francs. Ce n'est pas inclus dans l'achat de la maison. Donc les frais de dossier s'élèvent à 360 000. Et ensuite pour les notaires, pour les frais de notaire, c'est à partir de 7, entre 7 et 10%. Vous pouvez toutefois négocier avec le notaire, même pour faire des paiements partiels au niveau des frais de notaire. Donc ça, c'est à la livraison que vous payez vos frais de notaire. Pour ces promotions-là, on va d'abord visiter aussi la deuxième maison témoin. Donc là, c'est une maison vraiment finie. Donc ça, c'est une maison qui est totalement finie. Donc vous avez une petite cour avant. Donc là, vous voyez votre petit jardin. Voilà, vous pouvez le faire à votre goût. Et ensuite, voilà, vous avez une belle cour. C'est à vous de faire tout ce que vous voulez là, hein. Il y a d'autres qui peuvent mettre du carreau, d'autres peuvent mettre un bon petit jardin. En tout cas, c'est votre cour à vous. Et nous partons à l'intérieur. Nous allons visiter le salon rapidement. Là, vous avez un petit couloir. Voilà, ça c'est une maison totalement finie. Donc c'est aussi un appartement de 18 millions. Une villa, pas un appartement. Ce sont des villas basses. Donc c'est une villa de 18 millions de francs CFA plus 360 000 les frais de dossier. Et ensuite, elle prévoit 7 à 10% pour les frais de notaire. Donc les frais de notaire sont à votre charge. Nous sommes ici dans le salon de cette villa témoin. Nous sommes dans le salon. Vous voyez, les finitions sont très bien faites. Et là, voilà, regardez les canapés qui sont bien adaptés. Donc, c'est pas encombrant. C'est vous qui venez avec vos canapés, hein. Sinon, il y a aussi des canapés à vendre. C'est à vous de, si vous voulez comme ça, mais vous allez discuter avec le promoteur. Voilà, et puis on finit tout à votre goût en fait. Donc ici, nous sommes dans le salon. Donc c'est la salle de, c'est le séjour en fait. Donc le salon. Vous avez votre canapé bien aménagé, votre écran plasma, tranquille. Si vous avez un home cinéma ou vous voulez un écran de 100 combien de pouces là, en tout cas, tout est... c'est vous qui le faites. Si vous voulez que l'entreprise aménage la maison pour vous aussi, mais il n'y a aucun problème, il aura des frais supplémentaires pour les meubles et autres. Donc ici, vous avez votre petite table à manger. Voilà, donc vous avez votre table à manger, salle à manger, voilà. Très bien aménagé. Vous avez vu la première maison, j'ai fait exprès pour commencer par la maison vide. On avait l'impression que elle était un peu petite, pourtant c'est la même maison, ce sont les mêmes dimensions, les 120 mètres carrés. Voilà, donc voici à quoi ça ressemble. Ça c'est le salon. Maintenant nous partons dans la chambre. Nous allons voir la chambre, les chambres à coucher. Et normalement dans cette villa là, il y a une petite surprise que je vais vous montrer. Il y a une petite surprise. Ça, ce sont les toilettes. Voilà. Ce sont les toilettes. C'est la même chose, hein. Douche, WC. Vous avez douche à part et puis WC pour la deuxième chambre ou bien pour les visiteurs. Et dans la chambre principale, comme généralement ici en Côte d'Ivoire, dans toutes les chambres principales des maisons, on prévoit toujours les toilettes privées, douche, WC, toujours. Et ici, donc, ça vous fait, voilà, cette maison-là, vous allez voir à la fin, regardez, on va voir à la fin, il y a une petite surprise concernant cette maison. Je pense que cette superficie, je parle de la cour, ça peut être... un peu plus grande, je pense. Mais les chambres, c'est la même dimension en fait.
les chambres, c'est les mêmes dimensions. Continuons et nous allons visiter rapidement la chambre. Voilà, ça c'est la chambre des enfants. Chambre à coucher pour les enfants. Vous voyez la disposition, donc le lit, un bon lit est superposé avec voilà, des espaces où les enfants peuvent arranger les habits ou bien voilà, stocker leur fourniture avec leur petit placard. Donc, ça, c'est la chambre pour les enfants. On va aller directement dans la chambre principale. On part dans la chambre principale. On y va. C'est une villa de 18 millions de francs CFA. 18 millions de francs CFA plus 360 000 pour les frais de dossier. Et les frais de notaire, c'est entre 7 et 10%. Voici la chambre principale. À quoi est-ce que ça ressemble? Un lit de deux places déjà et il y a l'espace. Vous avez un lit de deux places, il y a de l'espace. Une fenêtre qui fait face à la cour arrière. Et là, ça c'est votre placard. La chambre est très bien espacée, comme vous le voyez. Quand elle est vide, on a l'impression que c'est une petite chambre. Mais là, quand on l'aménage, on pense que ce n'est même plus la même chambre. Et ça, ce sont les toilettes privées de la chambre principale. Vous avez douche et WC. Ça, c'est pour la chambre principale. Les finitions sont... Voilà. Pour cette maison, vous avez une maison qui est totalement finie. Si vous avez un stylo, vous prenez, vous notez. Ce sont des villas de 18 millions. Je vais vous donner les différentes modalités de paiement. D'ici la fin de la vidéo, je vais vous donner les différentes modalités de paiement. Et comme ça, vous saurez. Comme je le disais, voici la surprise. Cette villa-là, vous avez vu, pour la maison vide, il y avait une cour arrière qui était vide. C'est cette cour-là qui a été transformée en une quatrième chambre, en une troisième chambre. C'est ce que vous voyez là. Donc ça, c'est la cour arrière qui a été transformée en troisième chambre. Cette villa-là vous fait donc trois chambres et salon. Et malgré ça, parce que comme je le disais, les superficies de construction, ça dépend. Les superficies habitables et les superficies de construction, ça varie dans leur système, dans leur mobilier. Pour ce genre de maison, vous avez derrière encore une cour. Derrière, ici, on a la cuisine. Donc là, puisque de l'autre côté, il n'y a plus de porte pour sortir dans le jardin, là, on sort directement depuis le salon, on sort dans la cuisine. Nous sommes dans la cuisine. Et ici, vous avez l'espace pour placer votre frigo. Et juste de l'autre côté, vous avez l'espace pour placer votre gazinière. Et en haut, vous avez voilà, des petits tiroirs pour mettre vos ustensiles de cuisine. En bas aussi, vous avez des tiroirs. Donc ça, c'est un micro-ondes. Et les maisons, ça dépend. Les maisons sont livrées vides. Maintenant, si vous les voulez équiper, l'agence va discuter avec vous selon le type de matériel que vous voulez. Et ce montant-là va s'ajouter au prix de votre villa. Au prix d'achat de votre villa. Voilà. Et là, voici ce que je vous disais. Nous partons malgré tout ça, mais je pense que cette superficie de construction-là est plus grande. Parce que derrière, on a encore une grande cour. Derrière ici, vous avez une grande cour. Vous pouvez même faire votre petite piscine. Hein. Une petite piscine là. Et puis un très beau jardin avec les arbres, les trucs, les enfants pourront bien s'amuser. Donc l'autre côté, vous avez un petit jardin bien là. Et derrière, vous avez votre piscine. Vous mettez juste vos parasols. Quand il fait chaud, vous pouvez prendre un peu de bien, un peu de sucrerie. Boire un peu de jus, voilà. S'amuser avec les enfants. Ou bien voilà, rester avec madame. C'est bien. Et on va continuer. Je vous avais dit qu'on va visiter trois types de maisons. Donc le troisième, ce que nous partons visiter là, c'est deux villas jumelées. Puisque toutes les villas sont jumelées, les cours sont scindés en deux. Vous avez de l'autre côté deux chambres salons, de l'autre côté deux chambres salons. Maintenant, il y a des personnes qui souhaiteraient
avoir ces deux villas-là en même temps. En ce moment, on lève la clôture et au lieu de faire deux salons, mais c'est modifié de telle sorte. C'est ce que nous visitons là. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est deux villas en fait, c'est deux villas jumelées qui ont été modifiées pour constituer une seule villa individuelle. Regardez le salon. Donc ça, ce n'est pas encore bien disposé. C'est du matériel à vendre de toute façon. Donc négocier avec les promoteurs, comme je le dis. Ça, c'est deux villas jumelées. Donc ça va vous faire 18 millions multiplié par 2. Plus les frais de dossier, 360 000 francs CFA. Là, vous ne payez pas deux fois les frais de dossier. Vous payez qu'une seule fois les frais de dossier. Donc ça vous fait 18 millions multiplié par 2 plus les frais de dossier. Ici, ça a été transformé, donc les chambres évidemment ont été modifiées. Vous avez même de l'espace. Il y a déjà une douche supplémentaire pour les visiteurs. Et ensuite, continuons. Là, déjà, vous pouvez même faire votre salle à manger ici. Sinon, vous pouvez même casser le mur hein, qui est là pour que le salon soit plus vaste, pour qu'il n'y ait pas de barrière entre le salon et puis votre salle à manger. Juste en face, vous avez toilette pour les visiteurs. Juste en face. Voilà. Juste en face ici, c'est les toilettes pour les visiteurs, puisque ça a été modifié. Et non seulement, vous avez aussi toilettes séparées pour... Donc ça va vous faire 3 chambres salon. Ça vous fait une maison aussi de 3 chambres salon, mais avec... Il est très, 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 très grande. Voilà, comme je le disais, ça c'est les toilettes pour les visiteurs, pour cette villa jumelée. Donc, pour cette villa là, ça va vous faire 36 millions, plus les frais de dossier qui sont à 360 000 francs CFA. Et les frais étaient toujours entre 7% et 10%. Vous pouvez toujours négocier avec, avec le notaire. Ça c'est un couloir dans cette villa là, c'est un couloir. Et regardez aussi. Voilà, donc ici nous avons déjà une première chambre. Déjà, comme je l'ai dit, c'est pas aménagé, hein. C'est juste des maisons vides, mais les chambres sont grandes. Parce que quand vous regardez comme la première villa que nous avons visitée, quand c'est vide, on a l'impression que les chambres sont petites, mais une fois c'est aménagé, on voit que tout est bien arrangé et il y a encore de l'espace. Ça, c'est l'une des chambres. Pour cette villa-là, c'est l'une des chambres. Et ensuite, on va dans la deuxième chambre aussi. Nous avons une deuxième chambre. Et pour chaque maison, vous avez quand même une fenêtre qui fait face à une cour. Puisque vous avez une petite cour avant et une cour arrière. Là, on est toujours dans le couloir là. Et ici, on va visiter la deuxième chambre. On va visiter rapidement la deuxième chambre. Voilà. Là, ça, c'est la deuxième chambre. Donc, vous voyez toujours les fenêtres là qui font face à la cour arrière. Vous avez une grande cour arrière où vous pouvez, comme je l'ai dit, faire votre petite piscine hein, à votre goût. Ça, c'est ici, c'est dans la chambre principale. Ici, nous sommes dans la chambre principale. Donc, observez vous-même, très 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 grande. Vous avez deux espaces pour les placards. Vous avez deux espaces pour les placards. Donc même dans votre chambre principale, vous pouvez mettre un petit canapé hein, bien aménagé. Et là, vous avez même vous avez votre salle de bain qui est très grande par rapport aux autres. Votre dans la chambre principale par rapport aux autres. Et vous avez même un dressing. Vous avez un dressing dans cette chambre principale. Donc ça, c'est la salle de bain qui est là. Voilà, vous pouvez même mettre votre petit baignoire, hein, ça dépend de vous au niveau des finitions. Voilà, donc ça c'est toilette et nous sommes toujours dans la chambre principale et ça c'est votre dressing. Ça c'est pour la villa jumelée. Donc c'est 2 fois 18 millions de francs CFA plus les frais de dossier et prévoit entre 7 et 10% pour les frais de notaire. Donc comme je vous l'ai dit, restez sur cette vidéo. Jusqu'à la fin, je vais vous donner les modalités de paiement, comme ça vous saurez. Et ils ont trois types de paiement, trois types de modalités. Ça, c'est la troisième chambre pour cette villa jumelée. C'est deux villas en fait qui ont été fusionnées pour en faire une villa. Donc, si vous le souhaitez, et voici une grande cour arrière. Vous avez une très grande cour arrière, comme vous l'avez vu. Donc, vous pouvez même faire une autre chambre même. Dans la cour arrière, ça va vous faire 4 chambres et salon, un grand salon, et même avoir de l'espace encore
pour faire par exemple votre piscine ou bien votre beau jardin à l'arrière. Et en face aussi, vous avez votre cour. Ça, c'est les toilettes. Ça, c'est le WC pour les autres chambres. Et l'autre côté aussi, vous avez les toilettes pour les autres chambres en fait. Et plus le WC pour les visiteurs. Voilà. Donc ça, c'est la villa jumelée. Je vais vous laisser mon numéro dans les commentaires. En tout cas, c'est des stocks très très limités. C'est des stocks limités. Donc, pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui sont liquides, il y a une forte possibilité d'avoir des maisons qui sont déjà prêtes. Donc, vous pouvez directement aménager dès qu'on fait la première livraison. Et il y a la possibilité. Donc là, on va directement. Déjà, au moment où vous regardez ces images, ces images-là, je vais en même temps vous donner les différentes modalités. Donc, pour les modalités, c'est trois types. Vous avez le cash, c'est-à-dire vous voulez un appartement, une villa de 18 millions, vous payez les 18 millions cash avec les frais de dossier, 360 000. Et vous partez chez le notaire pour payer entre 7 et 10%. Ça dépendra de sur quoi vous vous êtes entendu avec le notaire. Et avec lui, vous pouvez aussi vous pouvez négocier pour payer sur des... Voilà, vous pouvez négocier en fait pour les modalités, soit cash ou bien voilà, en 2 temps, 3 temps, ça dépendra du notaire. Ça, c'est pour payer cash. Deuxième, c'est les crédits bancaires. Pour les crédits bancaires, on va mettre ça à la fin parce que là, il faut comprendre. Donc, le deuxième, c'est par tempérament en fait. Donc, par tempérament, c'est sur 24 mois. Il faut finir de payer avant de vous livrer la maison. Donc, vous payez les 30% de la maison. Les 30% de la maison, si la maison c'est de 18 millions, donc vous payez les 30% plus les frais de dossier. Donc les 18 millions, les 30% vont vous faire pratiquement 5 400 000 ou 5 millions et quelques. Donc vous payez les frais de dossier et ensuite les 30% de la maison. Voilà, les 30% du montant. Pour le paiement par tempérament, une fois que vous avez payé les 30% des 18 millions plus les frais de dossier, le reste sera divisé sur 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, 24 mois maximum. Et il y a des personnes, donc ça va vous donner un montant mensuel. Maintenant, il y a des personnes qui préfèrent payer chaque 2 mois. Donc ce montant-là, vous allez le multiplier par 2 et vous pouvez faire les versements soit chaque fin du mois ou bien vous le multipliez par 2 pour faire le versement chaque 2 mois. Ça dépendra de vous, de votre appréciation et de votre budget. Mais c'est divisé sur 24 mois et il faut obligatoirement verser chaque fin du mois. Voici un peu pour le versement par tempérament. Et après, à la livraison maintenant, il faut voir avec le notaire pour discuter entre 7 et 10%. Ça dépendra si vous attendez sur 8% ou bien si le notaire reste sur les 7%, mais c'est bon, ça vous arrange. Très bien, voici le paiement et l'acquisition par tempérament. Mais toutefois, il faut finir de payer. Si c'est pas tempérament, il faut finir de payer avant qu'on ne vous donne votre maison. Voilà. Maintenant, pour le crédit bancaire, normalement, c'est avec votre banque que vous voyez. Vous voyez avec votre banque directement. Il faut être d'accord d'abord avec la banque. Vous tombez d'abord d'accord avec la banque, bien avant d'engager la procédure. Parce que je dirais que les frais déjà de dossier pour le prêt bancaire, vous versez 15% du montant. Si la villa, par exemple, pour la villa de 18 millions, vous allez verser les 15%. Si la banque vous garantit, vous versez les 15% de la somme à la société. Et puis la société va vous donner tous les documents, les compromis de vente, tout ce qu'il y a. Vous payez aussi les frais de dossier qui sont de 360 000 qui vont s'ajouter sur les 15%. Et vous déposez votre dossier à la banque. Donc la banque, si la banque vous a garanti que tout est bon, mais quand vous donnez, il n'y a pas de raison qu'on ne vous donne pas le prêt. Et en ce moment, c'est la banque qui va faire le paiement cash. C'est la banque aussi qui va payer les frais de dossier, et les frais de notaire. Mais en ce moment, il aura deux types de frais de notaire. Donc il aura les frais de notaire pour l'acquisition. Et puis il aura les frais de notaire en cas de... comment on appelle ça en cas de litige en fait. Voilà, en cas je sais pas comment on dit ce mot-là, hein. Vous allez m'aider dans les commentaires. je sais pas si jamais il faut hypothéquer la maison, si c'est ce que je peux dire.
voilà, si on doit hypothéquer la maison, mais il y a ces frais-là aussi, il y a ces frais de notaire aussi qu'il faut prévoir. Donc voici un peu, parce que si la banque refuse le prêt, mais pratiquement parce que la société va garder les 10% de ce que vous avez versé, là, va vous rembourser que 5%. Donc, je dirais pratiquement que c'est pas remboursable en fait. Donc, soyez-en sûr d'abord avant d'aller sur ce volet-là pour la banque. Si la banque vous a garanti, c'est bon, vous pouvez faire la démarche pour prendre le prêt. Sinon, si la banque a refusé, mais la société ne peut pas vous rembourser. Sinon, ils vont vous rembourser que les 5%. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez commencé avec les dossiers de banque que ça a été refusé, vous pouvez soit continuer pour faire les versements ou bien trouver quelqu'un d'autre qui va prendre la maison et puis qui va vous rembourser. C'est possible. Merci beaucoup. Voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo et puis pour toute information, vous me contactez directement. Merci beaucoup.